Alors, me revoilà pour la deuxième vidéo solde. Donc, ce sera la vidéo solde magasin, première partie. Donc, je suis allée chez Gémeaux, là, Halle aux chaussures, Claire's, Nocibé et à Intermarché parce qu'il y avait des soldes sur les vêtements. Il y a des trucs assez sympas par moment. Donc, on y va. Alors, je vais commencer par Intermarché où je suis allée ce matin. Donc, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un petit maillot. Qui est orangé corail très foncé. J'ai bien aimé parce que le rebord, il a des petites manches. C'est un t-shirt en fait. Hein, et sur les rebords des manches, vous voyez, il y a des petits sequins comme ça, ton sur ton, que je trouve vraiment très joli. Donc il est un peu transparent, mais il est assez sympa. Et il est un peu loose en fait. J'aime beaucoup ce style de maillot. Et je l'ai payé, donc il était à 9,99 € moins 50%. Donc j'ai hésité à le prendre et puis au final, parce que je pensais qu'il allait être trop petit. Et au final, je l'ai pris et j'ai bien fait parce que bah, ça fait à peine 5 € le maillot. Donc c'est toujours très bien. Voilà. Et ce matin, bah, j'en ai pris deux autres. Ils n'étaient pas en solde, mais ils étaient pas chers. Donc je vous les montre quand même. Donc il y a celui-ci. J'avais déjà acheté un quasi identique en rose. Et je trouve qu'il fait vraiment très joli quand on le porte. Donc voilà, il a un petit col un peu comme ça. Il est resserré au niveau du bas. Et donc là, il était à 12,99 €. Donc je passe vite parce que c'est pas des soldes. Et j'ai pris un qui est. C'est à peu près le même style de maillot, vous savez, resserré en bas comme ça, qui est un peu vernis. Comme voilà. Et il a un petit col dentelle dans le haut qui est vraiment très joli. Et c'est une couleur que j'ai pas. Donc c'est très bien. Donc voilà pour ce matin Intermarché. Je suis allée donc chez Gémeaux. Alors chez Gémeaux, j'ai trouvé une petite paire de. Alors il y avait plein de chaussures à moins 70% dans les sandales et tout. J'ai pas trouvé de choses qui me plaisaient plus que ça. J'en ai trouvé deux paires qui étaient à moins 30, mais je les ai prises quand même parce que je les aimais beaucoup. Donc il y a une première paire, donc je vous montre à moins 30, donc 34,90 moins 30. Donc elles sont comme ceci. Donc c'est des petites sandales avec, vous savez, des petites feuilles ou des petites fleurs comme ça. Je les ai vraiment trouvées trop choupinettes et trop mignonnes. Et très sympa à porter l'été et tout en vacances, machin. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc voilà, pour celles-ci. En plus, elles sont en cuir. Donc c'est génial. On ne transpire pas des pieds là-dedans. Donc c'est parfait. Et la deuxième paire que j'ai prise chez Gémeaux, c'est celle-ci. Donc pareil, 34,90 moins 30. Et celles-ci, je les aime d'amour. Donc je les ai portées ce matin, donc voilà. Donc elles sont comme ça. Il y a une semelle compensée, un peu style effet corde, mais c'est pas de la corde, c'est du plastique. Et elles sont vertes. Et elles sont vraiment magnifiques. Là, vous les voyez vraiment comme elles sont. C'est vraiment un vert, un joli vert. Donc je les portais avec ma tenue d'aujourd'hui. Ça faisait vraiment très joli. Donc voilà, j'étais vraiment super super contente de les trouver. J'ai hésité, elles y sont en pleine couleur. Et j'ai hésité entre une couleur sobre ou du vert. Et puis finalement j'ai pris du vert. Je me suis dit qu'après tout, il n'y a pas de raison. C'est l'été normalement. Quoique le temps aujourd'hui est un peu grisouille. Mais voilà, donc après je suis allée hier à la Halle aux chaussures avec mon mari. Donc j'ai trouvé une paire à moins 60%. Donc elles étaient à 32,99 €. Je les ai eues à moins 60. Et j'ai vraiment flashé dessus. C'est pareil, une petite paire de sandales plates. Et elles ont comment on dit? Enfin, elles ont un devant comme ça, qui est corail foncé. D'ailleurs, je me dis qu'avec mon petit maillot là, ça va juste être une tuerie avec un jean. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé joli. Donc là, c'est verni. Et vous avez le petit rappel de couleur au niveau de la boucle de fermeture. Et sinon, c'est une. Enfin, la sangle, c'est du cuir marron foncé et je les ai vraiment trouvées très 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 jolies. Donc voilà, très simple, très facile à porter et tout. Donc j'ai vraiment flashé dessus, puis à moins 60%. En fait, à la Halle aux chaussures, j'ai regardé vraiment que les moins 50, moins 60 parce que je me dis qu'après tout, hein, faut profiter vraiment des grosses grosses promos. Donc j'ai flashé dessus, donc ça fait 3 paires de pompes pour l'instant. Ensuite, je suis allée chez Nocibé. Alors, chez Nocibé, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, chez Nocibé, j'ai trouvé ceci. Donc, j'ai pris les délices, la poudre pour le bain. Pareil, ça, je pense que ça, je mettrai ça dans un swap. Donc, macarons framboises. Donc, pour celles que ça intéresse, en ce moment, ils sont à moins 30, donc à 4,13 €. Donc, ça a l'air de sentir super bon.
Ensuite, j'ai pris un petit vernis, les Daily Vernis. Je trouve les pots trop choupinous, en fait. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc, celui-ci, c'est le... Est-ce que je vais lui trouver son code ? Ben non. Oh, c'est rigolo, il n'y a pas de code dessus. Est-ce qu'il y est sur mon ticket de caisse ? Non, violet. Voilà, c'est tout simplement marqué violet sur le ticket de caisse. Donc pareil, moins 30%, donc 3,15€ au lieu de 4,50€. Voilà, je trouve ce packaging vraiment trop choupinou. Après, pour le mettre sur les ongles, je trouve que c'est pas très pratique, mais bon. En plus, il est très joli, c'est un violet avec des petites paillettes argentées. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est un... Je vais l'ouvrir. Donc, c'est un... Peut-être qu'il faut que j'enlève ça pour vous montrer le numéro. Alors, c'est un fard à paupières ombre éclat lumière, le 01 Dark Paradise. Voilà. Et je le trouve vraiment très très joli, donc je vais vous l'ouvrir. Donc c'est un noir, il n'est pas très soutenu, il est plus gris anthracite, je dirais, avec des paillettes argentées dedans. Et j'adore la feuille dessus, je le trouve vraiment magnifique. Et je cherche toujours des noirs, des jolis noirs, en fait. Donc il est comme ça. Et au niveau du swatch, ouais, il est assez joli. Il n'est pas très très soutenu, je dirais plus que c'est un gris charbonneux, en fait. Voilà. Mais il est vraiment très joli, donc je regrette pas, il est vraiment très très beau. Et je l'ai payé moins 50%, donc 4,95€ au lieu de 9,90€. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est un blush. Hop. Donc c'est, pareil, le numéro, hop, 04 Bambino. Alors, il se présente comme ça. Donc c'est un rose, hein, très joli aussi. Donc celui-ci je le swatche pas. Et il était à 4,95€ à moins 50 également. J'ai pris également un petit une autre toilette musc jasmin. Voilà, ça sent très très bon, j'ai testé en magasin. Donc voilà, chez Nocibé, j'ai eu également un petit échantillon l'overdose. Et j'ai eu un bon de 5€ de remise des 30€ d'achat du 19 août au 30 septembre. Voilà. Donc voilà pour ma commande chez Nocibé. Ma commande, mes achats chez Nocibé. Ah oui, j'ai oublié. Chez Gémeaux, en même temps que les chaussures, j'ai pris également ceci. Donc je ne vais pas garder, je pense, mais je verrai bien. Il me plaît beaucoup, il me plaît bien quand même. Donc c'est un collier comme ça. Voilà, ils sont vraiment très jolis. Donc ils étaient à 6,95€, c'est la marque Accessories. Et je l'ai eu à 3€. Voilà, donc il y a pas mal de bijoux en solde à 2 ou 3€ chez Gémeaux. Donc si ça vous intéresse, allez faire un tour. Et j'ai également pris des boucles d'oreilles, mais que j'ai pas là. Je sais pas où je les ai foutues, donc je pourrais pas vous les montrer. Tout simplement. Et ensuite, je suis passée chez Claire's également hier. Donc chez Claire's, j'ai complètement craqué sur un bracelet. C'est celui-ci. Il est magnifique. J'adore vraiment son... Je vais vous le passer au poignet pour que vous voyez ce que ça donne. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le bracelet brésilien. Je trouve ça vraiment trop choupinou. Donc voilà, ça donne un truc... C'est très sympa au bracelet. En plus, il tourne bien et tout. Il est vraiment très joli. Donc celui-ci, je l'ai payé 3€. Et il était normalement à 9,95€. Donc ça fait quand même une belle promo. Donc voilà, il est vraiment très très beau. Il y a des strass et tout, enfin des petites perles, des strass. J'ai vraiment trouvé très très joli. En fait, j'ai pas trouvé grand chose en bijoux chez Claire's. Je sais pas si c'est que dans mon Claire's, mais j'ai trouvé qu'il y avait rien en solde en bijoux, quoi. C'était vraiment des petits trucs ou des trucs moches et j'étais un peu déçue. Et sinon, je me suis pris ça également. Donc c'est un lot de Eye Glitter, donc c'est des ombres à paupières scintillantes. Donc à 5€ au lieu de 9,95€. Donc je vais vous faire les petits swatchs si j'arrive à l'ouvrir, bien entendu. Je peux le faire. Parce que je trouve que c'est toujours sympa d'avoir des petits trucs à paillettes comme ça pour mettre, vous savez, dans le milieu des yeux sur un truc et tout. Ça donne tout de suite un effet sympa au maquillage. Donc le premier, il est comme ceci. Est-ce qu'il y a un code ou quelque chose? Non, du tout. Donc c'est un vert.
Alors je vais l'ouvrir, ce sera peut-être plus simple. Décidément, j'ai du mal à ouvrir les choses aujourd'hui. Donc voilà, c'est un verre d'eau avec plein de paillettes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je connais pas du tout. D'accord, donc c'est une pâte. Donc ça donne ça. Ouais, donc en fait, une fois qu'il est mis sur la peau, il est plus très vert. C'est plus très irisé. Par contre, vous voyez, c'est super irisé. Et pour l'été, ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, le deuxième, il est dans les tons violets. Hop. Violet, enfin violet. Parme, je dirais plutôt. Alors. Voilà. Mais je pense qu'au final, ils vont tous donner pareil quoi, sur la peau. Ouais. Là, vous avez le deuxième. Mais au final, ça donne quasiment la même chose. Et le dernier, donc, est plus dans les tons roses. Oh, décidément. Je dois pas être douée. Je sais pas, il y a quelque chose. Et donc, il est plus dans les tons roses, vieux roses, comme ça. Voilà, hop. Ouais, donc au final, c'est vraiment que les paillettes qui ressortent. Et ouais, quand je l'ai sur la peau. Ouais, donc vous voyez, là, vous avez les trois côte à côte et ça fait exactement la même chose. Donc oui, sur le... dans les peaux, ça fait des couleurs différentes, mais au final, sur la peau, ça fait la même couleur. Hein, exactement. Mais c'est toujours sympa, voilà. Donc moi, j'ai bien aimé. Voili voilou. Donc, et il y avait également, j'ai pris ceci. Donc, c'est un petit lot de pinceaux que j'ai trouvé trop choupinou. Surtout pour la déco. Donc, avec plein de strass blancs comme ça. Et que j'ai payé 5 euros au lieu de 8,95 euros. Voili voilou pour chez Claire's. Donc, j'espère que vos soldes ont été plus fructueuses que les miennes. Parce que personnellement, j'ai pas trouvé ces soldes chez Claire's super intéressantes. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas trouvé les soldes super intéressantes. J'ai pas trouvé de choses vraiment qui m'ont dit waouh, ça vaut vachement le coup, c'est en solde et tout. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que les soldes démarrent vraiment doucement. J'aurais préféré qu'elles démarrent un peu plus vite. On pensait vraiment, je pense que tout le monde pensait que les soldes allaient démarrer beaucoup plus rapidement. Je fais mon ménage, je vous parle, je fais mon ménage, tout va bien. Mais franchement, là pour l'instant, voilà, il y a beaucoup de moins 20, moins 30 et dans les magasins. Et moi, je m'attendais à un peu plus. Donc voilà, j'espère que la deuxième démarche qui je pense va arriver demain sera un peu mieux et qu'on aura vraiment des affaires super intéressantes à faire. En magasin, là je voudrais aller chez Sephora, donc j'espère pouvoir y aller samedi matin pour voir un petit peu ce qu'ils ont sur place, parce que j'ai fait, comme vous avez dû le voir dans la première vidéo, les soldes sur internet, mais bon, j'ai pas trouvé vraiment grand chose et je trouve qu'en magasin souvent il y a plus de choses. Et je voudrais également aller chez New Look pour voir un petit peu ce qu'ils ont niveau fringues et bijoux. Donc voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos vidéos soldes magasins en commentaire. Et je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!